création mondiale. C'est une création mondiale. Universelle. Universelle. Qu'on n'a pas voulu faire à Paris parce que c'est beaucoup plus original de le faire à Maisons-Alfort. Églises baroques qui sonnent vraiment le mieux, mais il y a des églises gothiques qui ne sont pas trop importantes, qui ne sont pas très très grandes, qui sonnent magnifiquement. Et le cristal, c'est vrai que c'est un instrument qui adore cette acoustique. Mais il s'agit vraiment d'un nouvel instrument par son visuel, par son principe acoustique, par sa technique de jeu aussi qui est unique, qui est nulle part ailleurs. Et donc ça en fait vraiment un nouvel instrument et un marqueur de temps sur le plan de l'histoire de la musique, parce qu'il voilà, n'a que 65 ans. Quoi. Et en plus c'est un instrument polyphonique, ce qui est extrêmement rare. Évidemment, avant il faut remonter à l'accordéon, et encore c'était déjà des principes connus grâce à l'harmonium, hein, les lames qui vibrent. Mais avant, il faut remonter carrément au piano, c'est-à-dire 1700-1720, ce qui vous montre la rareté des instruments polyphoniques non électriques et non électroniques. Voilà. Et la première mesure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Quand on joue dans une église, eh ben on a la perception de l'axe des aides, qui est l'axe de la hauteur. Parce que quand on... Par exemple, avec le oud, quand je fais quelquefois des notes brèves, comme ça, il y a certaines notes qui restent suspendues en l'air. Et elles sont clairement en hauteur. Elles sont pas ni, elles sont pas sur le sol. Quoi. Ma formation musicale, elle vient essentiellement du jazz, donc des musiques improvisées. Et puis très vite, au fur et à mesure des voyages que j'ai pu faire, je me suis intéressé aux instruments, à certains instruments orientaux, certains instruments indiens. J'ai commencé à en rapporter de voyages. Et ce qui me plaît dans le travail avec ces instruments-là, c'est que en fait, c'est des instruments qui ont une forte personnalité, une forte identité, et dès qu'on les joue, en fait, ça fait voyager. Quand on prend le oud, par exemple, le oud, au départ, je l'accordais comme une guitare, et puis je jouais des standards de jazz, mais je me suis rendu compte que même si j'improvisais sur My Funny Valentine, par exemple, et la couleur de l'instrument, l'identité de l'instrument, elle était tellement forte qu'en fait, ça faisait voyager, on n'était plus dans le jazz, on était dans une sorte de fusion de jazz oriental, quoi. Et même chose avec les flûtes bansuri, qui sont des flûtes d'Inde du Nord, en bambou, et aussi avec la flûte naï, qui est la flûte orientale, et encore peut-être encore pire avec le doudouk arménien, qui est l'ancêtre du hautbois. Donc c'est vraiment... je cherche vraiment à travers ces instruments, j'aime les instruments en fait, et je cherche à travers ces instruments à faire ressortir leur identité, leur couleur, et pour permettre aux gens de s'évader plus facilement et de voyager. C'est une sorte
voilà, qu'on pourrait appeler une sorte de dialogue des cultures qu'on établit entre nous, Français, et puis des pays orientaux.